Bonjour à tous. Aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, on se retrouve à Val-Saint-Côme pour le Atlas Open, un gros contest de slopestyle qui est maintenant là depuis 19 ans et qui va se terminer avec un contest de Ollie organisé par Red Bull. Donc sur ce, je vous laisse sur ces images. Le contest, c'est bien simple, c'est 3 runs, meilleur des 3 runs. La seule règle bien importante, en fait, il y en a deux, c'est ici le Tindy, oui. Puis le Tailfish. Pas vous savez c'est quoi? C'est ça, mais ici, à Saint-Côme, il y a deux lois. Dans la vie normale, c'est que tu payes un pichet à tous ceux qui t'ont vu le faire. Mais en compétition, c'est un peu coûteux, tu sais. Quand même, quand tu fais quadruple cork, Tindy, t'as zéro. T'es pas au X-Game ici, là. Honnêtement, parce qu'on... On n'en laisse pas passer. Non! La relique du Quicksilver Atlas Open, le trophée avec tous nos gagnants. Et avec moi-même aujourd'hui, j'ai Mike Boucher, mesdames et messieurs. Vainqueur de 4 années, pas de suite, mais 4 fois quand même. Avec Mike, aujourd'hui, on va pouvoir faire des flippettes. Pas aujourd'hui. Non. Non, là, je suis en train de travailler le quadruple cork. OK. Puis c'est ça, j'attends les Olympiques. Parfait. Fait que tu donnes la chance encore une fois cette année de laisser quelque chose. Ouais, ben à date, il n'y a pas tant de compétition comme tu peux voir, tu sais. Fait que j'aime pas ça. J'aime ça laisser la chance aux coureurs, tu sais. Okay. D'après toi, là, dans les noms que tu connais là, cette année, qui perce, qui tu crois, qui. Ben il y a Cusec, là. Il y en a un, le Cusec, là. À date, c'est lui le plus proche, là. 2 années de fil. Ça va peut-être être encore son année, on ne sait pas. Va-tu choquer? On ne sait pas. On verra bien. God knows you don't. Donc, on se retrouve maintenant avec Yann Deveau, les sorties du bois, l'Indien fou. À Val-Saint-Côme. Je suis surpris que tu m'aies trouvé dans le bois ici, man. Ouais. Ouais, putain. Un bois bien dense. T'as bien donc, caché. Donc, mon Yann, tu vas vraiment t'enligner le contest slopestyle. Ouais, Atlas Open. Good. J'ai vu que tu as commencé à doubler dans l'Ouest. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas penser à faire aujourd'hui? Ah, on le sait pas. Regardez ça comment ça va aller. Ouais. Pas sûr qu'on va s'énerver. C'est une belle petite journée. Je pense qu'on va plutôt prendre ça relax et avoir du gros fun avec tout le monde. Good. Et toi, l'Atlas Open, tu fais ça depuis une couple d'années? Atlas Open, je vais être bien franc, là. Ça fait, je pense, 6 ans que je n'ai pas fait ça. Fait que ça va être une belle journée. Il fait beau et content de voir bien du monde. Bon, on va regarder ça, tes beaux petits talents, même. Hein? Il y a de beau à surveiller. Une machine. Mesdames et messieurs, on est avec Audrey McManaman,
Comme ça, ça a l'air que ça va assez bien pour toi cet hiver. Oui, ça... fait quelques compétitions. Oui, je suis allée en Autriche pour les premiers Jeux olympiques d'hiver pour jeunes. Puis j'ai ramené la médaille d'or, donc j'ai un super bien été. Félicitations. Puis là, ben, tu viens nous gâter les yeux ici à Val-Saint-Côme pour le Slopestyle. Oui, puis ça, je serai d'ici toute la semaine, fait que j'aime bien ça quand il y a des compétitions dans le montagne. Good. C'est la première fois que tu le fais ou...? Non, ça fait 2 ans que je le fais. 2 ans. Là, je t'ai vu tantôt spinner, tu y allais avec des 3. Je pense que t'es pas mal la seule qui spinait. As-tu une idée en tête? Tu veux-tu aller 3, 5? Moi, garder avec mon 3, je pense. Garder ton 3? Ouais. Good. Fait qu'on va garder ça attentivement. J'ai hâte de voir ça. Good, je suis avec Alain Hervieux, un petit jeune de 14 ans qui en a dedans. Première fois que tu fais l'Atlas Open? Non, deuxième. Deuxième? Ouais. Fait que là, l'année passée, tu t'es craqué. Ouais. Tu t'es dit, cette année, je me pousse. C'est quoi les plans que tu avais? T'avais-tu une idée en tête de, déjà préconçue? Ou? Ouais, ben ça serait de faire ça pour le fun, à avoir de l'expérience pour les prochaines grosses compétitions. Il a dit même, faire pour le fun, c'est important. Fait que je t'ai vu le dernier saut que tu t'es dit cette année. Ouais. Je le fais pas tout de suite. Ouais, je le trouve un peu trop gros. Un peu trop gros. Ouais. Good. Ouais, à l'air vieux, même à surveiller. Rider Atlas, n'est-ce pas? Ah, Atlas aussi. Rider Atlas. Lâche pas, même. Good. Seb Gagnon ici, qui a quand même une place importante sur la montagne. Seb, c'est toi qui conçois en général le parc? Ouais. Cette année, ben, comme partout, il manquait de température froide pour souffler de la neige. Alors, il fallait dealer avec ça, mais on a réussi quand même à faire quelque chose d'assez hot, qu'on peut dire qui lève. Parce qu'aujourd'hui, c'était ça le cas. Tout le monde se sentait un peu mal à l'aise à cause que c'était pas mal quelqu'un. Mais au bout de la ligne, là, les gros trucs sont sortis et puis ben, tout le monde est content. Là. Juste, c'est pas la première fois que tu fais ça, à Tasse Open, c'est pas... Non, je l'ai fait assez souvent. L'année passée, j'ai manqué mon tour, puis une couple d'autres fois aussi, mais ça fait facile, dans les dernières 15 ans, j'ai participé, pas à toutes, mais une bonne gang. Là. Fait que sur 19-15, c'est quand même assez bien. Puis dis-nous donc, avant, dans le temps, là, le corps, ça ressemblait à quoi? Sérieusement, le parc est revenu à la même place l'année passée, qui était dans le temps des premières Tasse Open. Et puis, ça ressemblait pas mal à ça, sauf que les jumps ont grossi, puis les rails ont apparu, parce qu'avant, il n'y avait pas de rails, hein, c'était juste des jumps. Alors, ça fait un mix des deux mondes, l'ancien puis le nouveau. C'est vraiment le fun. Là, ce que je cherche de toi, t'es un gars qui fait des jumps, du pipe, t'es garoché ses rails aujourd'hui. T'as comme une petite peur, t'as besoin de glace, ça a bien été. Ben, c'était pour te le montrer à toi, là. Ah oui, je suis capable de sauter sur le métal. C'est juste, j'en fais tellement pas souvent que j'ai pas la confiance comme les autres boys, mais ça, j'ai pris mon courage à deux mains puis ça marche pareil. Alright, tant que tu as eu du plaisir, fait que là, tu vas aller essayer le Red Bull Ollie. Ouais, on va aller essayer de faire des kickflips, man. On va aller voir si le gars il a encore des jambes à l'âge que.
Maxence Perron et Yannick Deveau! Alors, de vos Audrey McManaman, Laurie Blouin, Anne-Frédéric Grenier, Francis Lachance, Christopher Cutter, Simon Reed, and the Quicksilver Showdown over the city. Ah, bravo, Simon. Donc, Steve Deleman, copropriétaire de boutique Atlas. Hein, on va dire un autre shop, faut pas. Ça commence avec un A. Ouais, tu sais. Donc, Steve, grosse journée aujourd'hui. Grosse journée. Double journée. Des doubles, ouais. On a associé une petite fille. Ouais, félicitations à Dave Soulière qui a reçu une petite fille. Belle petite fille, Noah. Dans le fond, tout est là depuis le début. En gros, ça ressemble pas mal à tout le même format. C'est quoi un peu le format? Comment ça marche? Du début, j'étais pas là. Parce que quand ça a commencé, les événements qu'on organisait à Saint-Côme, je faisais pas sinon encore. C'était vraiment début, là, Roots. C'était Dave Godet, je me trompe pas, qui avait gagné. C'était shapé au... Appel, tout ça. J'avais pas fait de snow encore, fait que c'était peut-être 4-5 ans après. Mais on va fêter, tu disais, je pense... 19e, fait que c'est ça. Fait que moi, ça fait ça 17 ans que je fais du snow. Fait que les deux premières, j'étais pas là. Mais anyway, tout ça pour dire que l'événement, nous autres ici, c'est tout a été roots. Tu vois le style que c'était Appel, une gang de chums. Fait que ça a tout le temps été ça du début de la classe open. C'est comme une gang de boys, puis tu faisais un contest amical. Puis ça a grossi d'année en année, fait que ça a fini par faire un contest, t'sais, reconnu parce que le monde d'ailleurs venait, oh, on va y aller. Puis ça a fini que c'était gros, ben gros dans un sens là, mais ça a toujours été le même format. Non, là, exactement, c'est encore. Puis ça... encore aujourd'hui, je me l'ai fait dire justement par le boy Simon Reed qui a gagné. Dis-moi, je viens tout le temps à ce contest-là, c'est le contest le plus genre no stress, mais en même temps. C'est stressant parce que le parcours est débile. Tu comprends avec le. Ça... Puis avant ça, ça n'a pas toujours été de la Atlas Open, ça a été la classique Val-Saint-Côme, je pense. On a eu le classique Val-Saint-Côme, on a eu après ça les Rumble. Yeah. Que c'était les trois parcours Pipe, Slow Style et Big Air. Pipe, Slow Style, Butter Cross. Mais ça a duré une couple d'années parce qu'on n'a plus eu de pipe après ça. Mais là, vous avez gardé le format Slope Style et Jump Rail. Ça a duré depuis ce temps-là. Mais la renommée fait, c'est le parcours. Ça fait. Justement 19 ans, mais mettons depuis 15 ans, le parcours est tout le temps ça accroche. On a une preuve nationale, c'est tout le temps, c'est ici qu'il a parti sa carrière. Fait que c'est ici, les boys ici, les locaux. Encore aujourd'hui, Chris Collard vient souvent pratiquer ici, tout ça, il a fini les deuxièmes. Les boys, c'est des gros sauts. Puis est-ce que, dans le fond, on attend quelque chose de spécial pour l'année prochaine, qui va être la 20e année? Julien, t'en parles, tu viens de me donner le hype de pression. C'est sûr qu'on va faire de quoi de big. Dave, d'après moi, il n'y aura pas un autre enfant l'année prochaine. Fait qu'on va voir. Ouais, Dave, check-toi parce que là, 20 ans, là, arrange-toi. 20 ans, là. C'est moi, par exemple, non, 20 ans, non. Non, le 20e anniversaire, ça se fête en grand. On va essayer de faire de quoi de big, si on veut, là, de gros party. Plus party. Yes. All right. Ben, man, cheers au Atlas Open et sa 19e année. Belle. Qu'est-ce que t'en penses, toi, cette année? T'as aimé ça? Man, c'était beau, il faisait chaud, man. On est rouges, les deux. Ouais, ils ont comme. Saint-Valentin, on est rouges. Les prêtres à la Valentine.